calcule la force exercée par un champ magnétique d'intensité 0,5 Tesla sur un conducteur mobile de 0,25 mètres traversé par un courant de 10 milliampères lorsque l'angle que forme le conducteur avec la direction du champ magnétique vaut 90 degrés. L'intensité du champ magnétique B vaut 0,5 Tesla. La longueur du conducteur, petit l, vaut 0,25 mètres. L'intensité I du courant est de 10 milliampères, c'est-à-dire 10 exposant moins 2 ampères. L'angle formé par ce conducteur et le champ magnétique est de 90 degrés. Ce qui est demandé, c'est l'intensité de la force de Lorentz que nous exprimons en newton. La force de Lorentz est définie ainsi. Mais comme alpha vaut 90 degrés, nous pouvons aussi appliquer la formule de Laplace. Donc pour trouver l'intensité de la force de Lorentz dans ce cas particulier où alpha vaut 90 degrés, on peut appliquer la formule de Laplace. La force de Lorentz sort du plan de travail et dans la formule de Laplace, nous remplaçons simplement le B par 0,5, le I par 10 exposant moins 2 et le L par 0,25. Et c'est ainsi que nous trouvons que l'intensité de la force de Lorentz vaut 1,25 fois 10 exposant moins 3 newtons.